Ça fait moins mal là, hein. Bah, en fait, j'étais en train de peindre sur des affiches chez moi. Et puis il y avait une copine qui était à côté. Et puis en fait, en donnant un grand coup de pinceau, j'ai dépassé sur elle. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et donc je l'ai peinte entièrement. Et puis après, chaque fois qu'il y avait des amis qui venaient à la maison, ils avaient le droit à leur peinture. Et un jour, j'ai rencontré un autre peintre qui en faisait, puis on a commencé à faire des soirées ensemble. Soirées, événements, tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres peintres. Ouais. À la peinture ou au marqueur aussi ? Pareil, comme moi. Hein. En fait, il faisait ça, je savais pas que ça se faisait, tu vois, enfin, plus que ça, quoi. Et en plus, ce qui est le plus dingue, c'est qu'on avait à peu près le même style. Quoi ? Ouais, que je connaissais de nom, ouais. Beaucoup des boîtes de nuit ou des soirées événementielles. Ouais, ça m'arrive, ouais. Plus en général, soirées d'organisateurs, quoi. Ça dépend en fait. Je fais plusieurs trucs. Soit je fais des perfs, comme là. Ou soit je peins sur tout le monde. C'est beaucoup tout le monde et puis là j'essaye de développer les paires. En fait j'ai un collectif qui s'appelle Nice to Paint You. On est 5 peintres et puis voilà, tu vois, on travaille sur les paires ensemble, des concepts de paires toujours différents. Soit on peint sur quelqu'un comme ça ou des fois on fait je sais pas, genre des spectacles. Un jour on m'a appelé, on m'a dit ouais, c'était une soirée qui s'appelle Digital Tokyo et c'est avec du fluo. Est-ce que t'as des trucs fluo ? Je dis bah écoute, il existe des trucs fluo mais je sais pas si ça marche. Je suis arrivé et en fait ça a trop bien marché. Avec des black lights. Ce soir ? Ah ouais, putain, j'ai pris des photos de malade. Ouais, les gens, ils adorent.